La semaine débute avec une journée spéciale pour Laurence Oly. L'ex-préfet du Var fête ses 53 ans ce lundi 27 mars. Un anniversaire passé en famille, avec son épouse, la journaliste Caroline Roux, leur fils Marceau, né en 2009, et très certainement en compagnie de ses filles Victoire, 23 ans, et Sixtine, 21 ans, née de son union avec Charlotte Chandelier, décédée en 2007. La présentatrice de C'est dans l'air a posté en story sur Instagram dans l'après-midi un aperçu de leur moment complice, passé sous le soleil du mois de mars. Sur le cliché, le directeur de Facebook France et Europe du Sud apparaît en pleine cure de vitamine D, assis dans son jardin, lunettes de soleil visées sur le nez et chemise en jean déboutonnée. Here comes the sun, happy who, a écrit en légende la star de France 5, en référence au célèbre tube des Beatles. Mariée depuis 2008, Laurence Oly et Caroline Roux forment un couple comblé. C'est en tout cas ce que laissent entendre les publications Instagram de l'ancienne chroniqueuse de Canal+. Le 14 février dernier, pour la Saint-Valentin, l'homme d'affaires lui a fait un cadeau on ne peut plus romantique, une montagne de roses rouges pour lui rappeler qu'il tient à elle. Autre preuve de leur amour, Laurence Oly a abandonné la politique pour sa belle, comme on l'apprenait dans un portrait dressé par l'hebdomadaire Télérama en février dernier. C'était incompatible à nos yeux qu'il continue en politique. Mon mari a un truc ultra féministe, il ne veut jamais me gêner, révélait celle qui est aussi maman d'une fille de 19 ans prénommée Rosalie, née d'une précédente union. Et de conclure, j'ai de la chance. Supérieur à supérieur à Léa Salamé, Pascal Pro, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunesse Laurence Oly et Caroline Roux unis pour s'occuper de leur petite tribu. La journaliste de 50 ans et son époux sont à la tête d'une grande famille recomposée avec leurs 4 enfants. Une petite tribu qui demande de l'organisation et un soutien mutuel au quotidien. Questionnée sur l'aide indéfectible que lui apporte l'ex-directeur adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy dans une interview accordée à Télé Magazine en août 2022, la mère de famille a commenté « Si est-il le secret de mon bonheur ?» Chaque jour, l'ancienne présentatrice des 4 vérités jongle donc entre sa carrière et son rôle de maman. Ça se passe comme pour tout un tas de femmes qui travaillent beaucoup. J'ai la chance d'avoir des enfants très autonomes. De temps en temps, je fais un point avec eux, je leur demande si ça va, s'ils m'acceptent toujours comme maman, a-t-elle expliqué avec légèreté. Crédit photo, Bertrand Rindoff-Petroff.